le comportement de Fernandez, comme il vient de nous dire que l'affaire n'ira pas loin, que c'est déjà Oui, calme, c'est déjà bon. Voilà. On ne va pas venir en rajouter, mettre de l'huile sous le feu, c'est déjà fait, tout et tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander pardon et puis envisager la suite. Voilà. Moi, déjà, je tiens à dire merci à Fernandez. Déjà qu'il a. Il nous assure que c'est déjà. C'est déjà tassé, voilà. Il a tapé l'œil, tout et tout. Voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire. C'est pas facile les réseaux, hein. C'est pas facile dans les réseaux, enfin. Pas facile. Tu as raison, non, merci, non. Au moins, au tchak, tu as dit quelque chose au moins. C'est même pardon, on est dessus. Je vais tellement loin, mais bon. Je suis monté. Jarabi, après, donne-moi la parole, s'il te plaît. Je oh non, Ali, c'est Ali même qui a envoyé mes listes. C'est Ali qui a envoyé par là. C'est Ali même qui a pompé. Non, non, attends, laissez-moi parler. Laissez-moi bon, parler. Bon, t'écoute. Déjà, en fait, je ne sais pas pourquoi Fernandez a porté plainte, parce que je ne vois même pas l'utilité de porter plainte, parce que le jeune, il n'a rien dit, il a réagi, en fait. En fait, comme tout le monde, parce que toi-même, tu étais dans le live, tu as parlé, tu as insulté Titi ici, personne n'a parlé, en fait. Tu l'as... Hey! Ali, toi, tu Ali, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Ali, c'est ce que tu es venu faire ici. Laisse Ali, n'a pas dit. Jarabi, je vais dire une chose rapidement. Je sais que Ali, mon ami, va monter. Mais Ali, si le truc n'était rien, comme tu veux dire là, les autorités mais, n'arrivent pas à prendre ça. Hein. Si le truc n'était... Hein? Tu dis quoi, beauté? Oui, on t'écoute. Ah, d'accord. Si la fin n'était pas... Ce qu'il a dit, la fin sortie là, c'était pas grave. Je t'assure que les autorités allaient passer là-dessus. Mais si on l'a pris, ils l'ont attrapé, c'était dit que c'est grave. En tout cas, tu ne peux pas extrapoler, Ali. C'est pas la même... Ce qui s'est passé sur le panel, nous, on parle de ce qui concerne M. Emmanuel Eudes. Ce qui le concerne avec Fernandez Joly. Voilà, c'est ce que nous, on dit. Voilà, Fernandez, pardon, c'est ton petit frère. Il n'a pas bien fait envers toi. S'il te plaît, faut enlever l'affaire. Et Fernandez est en train de faire les choses. C'est qu'on est en train de dire là, ça, tu viens parler de autre chose. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Fernandez, pardon, Yati. Et il sait que Fernandez, il a bon cœur. Et puis Fernandez, d'ailleurs, même, il n'est pas assisté au panel, hein, beauté tactile, tous ceux qui ont assisté là. Moi, je n'étais pas là. Mais Fernandez, quand il entend sa voix, wallahi bilahi. Même, je suis sûr que quand il fracasse même là, ça ne doit pas être aussi. Je ne crois pas. Mais quand il entend, là, doit avoir une façon de fracasser sans pour autant frustrer quelqu'un. Moi, c'est mon ressenti. On peut venir me démontrer le contraire, mais c'est mon ressenti. En tout cas, Fernandez, tu es sur la route, tu es sur le chemin d'or, continue comme ça. Et tu sais que tu vas faire la même, tu vas voir même encore, même, tu vas avoir des bénédictions, bénédictions même. Parce ça, que, bien. Voilà, quelque chose qui te fait mal, et puis tu as le courage, tu te fais violence à toi-même pour aller. Ça, c'est. Jésus aime ça. Vraiment, Allah aime ça. Tu seras béni. Voilà, ce que tu cherches dans ta vie là, ça va venir de grâce en grâce. Moi, je m'arrête ici, je me mute. Ok, Brahim, on t'écoute, Brahim. Bonjour Gabi. Bonjour, bonjour. Bonjour, pour Véronique Oman. Bonjour, grand Fernandez. Beauté tactile. Bonjour. Moi, je suis guinéen. Je ne suis pas là pour dire. Merci, tonton Alex, pour ce que vous avez dit là. Parce que le grand Ali, il est venu jeter de l'huile sur le feu parce que nous sommes là. J'ai vu le direct de beaucoup de personnes demander pardon à Fernandez. Là, c'est sûr que. Que ce conseil qu'il a déjà pardonné, il a fait là, il était résolu. En plus, j'avais vu des gens parler trop mal de Ice Travis, des trucs comme ça. Ce que vous ne savez pas, tout ce qu'on ne vous montre pas là, ça ne veut pas dire que déjà, tout c'est pas du tout. Parce que déjà, Ice Travis était déjà au commissariat. Donc, vous jugez trop vite les gens en fait. Et il y a les gens qui insistent toujours pour que, je ne sais pas, Yasmine monte ici pour demander pardon à Fernandez, des trucs comme ça. Qui sait que choses là, Yasmine aussi fait au fait en dehors de l'affaire là. Personne ne sait, donc ne jugez pas les gens trop vite. Vous voyez un peu. En plus, il y a les gens qui disaient que pourquoi beauté tactile, rien, trop, des trucs comme ça. Il y a de ces choses, si nous sommes en direct, on peut dire et puis c'est un peu rigolo, on peut dire. Donc ça ne veut pas dire de venir justifier les gens ou dire forcément qu'il ne faut forcément pas rire, vous voyez un peu. Donc on remercie franchement Fernandez déjà. On lui remercie et on lui demande pardon. Ok, merci. On passe la parole à Marina. Marina oui. Est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? On va bien.
D'accord. Ce que moi je voulais dire, c'est d'abord demander pardon à Fernandez parce que c'est son petit frère, au fait. Le pardon est divin. C'est de lui pardonner de retirer sa plainte et de vous taper l'œil. C'est son petit frère. C'est toujours le. C'est... Il y a des fois où le petit frère piétine le grand frère, mais on zappe au fait. Donc pour moi, c'est le pardon, de lui pardonner. Rachou, on t'écoute. Voilà. Bon, il n'y a rien de grave. Bonjour, bonjour d'abord à tous. Bonjour. Voilà, c'est de mon bon Fernandez. Bon, moi, je le vois beaucoup à Benoît. C'est quelqu'un, moi, je suis à Bourré. Voilà. C'est quelqu'un de très bien. Il est calme dans sa peau. Je l'ai plusieurs fois, il est dans le live. Je l'ai plusieurs fois vu au Cap d'Or. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Donc, moi, je le considère comme mon frère à Bourré. Voilà. Et je lui demande pardon. Voilà. Je suis venue demander pardon. Pardon au nom des Abourés. Je lui demande pardon. Voilà. C'est un peu ça. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui veut parler? Benoît est dans la place. On salue tous les Benoît. Comme on dit, les Benoît, les Benoînais. On les salue. Voilà, Benoît. Vive Benoît. Benoît, vraiment, plus de bénédictions sur vous. Votre frère va faire une grande chose tout à l'heure. Donc, encouragez-le comme ça. C'est ça, on veut venir. Voilà. Moi, j'aimerais dire au gars qui est monté sur le site, qui est guinéen. Déjà, personne n'a mal parlé de Estrevis. Personne n'a mal parlé de qui que ce soit ici. On a juste donné les faits, c'est tout. L'histoire s'est passée sur les réseaux, donc on avait demandé qu'ils viennent sur les réseaux pour venir genre, essayer de changer la manière dont les gens le voyaient, en fait, tu vois. Parce que les gens se disaient que, mais à cause de telle personne que tu es monté en live pour faire telle chose, mais pourquoi on ne voit pas telle personne dans le live? Et la réaction des gens, c'est normal. Donc, on va venir nous faire passer par les méchantes personnes ici en disant qu'on est venu insulter, on a insulté personne. Christian, pardon. Alors, si tu veux que je porte plainte, compte toi-même pour diffamation là. Je vais pas te porter plainte. Maintenant, Ali le grand. Ali, si tu vas monter dans le live là, faut savoir ce que tu vas dire. Faut savoir ce que tu vas dire. Ouais, l'histoire est déjà passée. L'histoire est déjà passée. Fernandez, il a dit, il va retirer sa plainte. Donc, faut pas monter dans le live. Tu vas dire les choses qui vont mettre le feu dans la chose encore. Tu vois, non? Ali, on s'adresse à toi, tu es où? C'est qu'elle dit, et puis vous dites, non, on dit, on a qu'à demander pardon, il y a d'autres qui viennent mettre 100 bons dedans. Faut savoir. Plus rien. Non, on a qu'à demander pardon, mais il y a d'autres qui viennent venir forcément préparer sauce là. Moi, en tout cas, la paix qui avait préparé sauce dans direct, elle est versée. On va pas manger. Ah, je vois les gens dans les commentaires, ils sont en train de dire, Ali fort. Ali, faut faire monter Ali. Ali n'est pas fort. Ali est traumatisé. Ali n'a jamais oui, attends. Qui attends, je vous écoute maintenant parler. Celui qui me parlait là, n'a pas parlé. Clem, dis. Ali aussi, il y a eu quoi chez toi là-bas, faut t'éviter. Clem, dis. C'est comme ça, les gens étaient en train d'inciter le gars. Comme ça, fort. D'après, voilà, ça vous dit. C'est lui, il en fait fort à la fin. Tu vois. Quand lui n'était pas là, on parlait à F-Fall. Donc, il est venu à cette même force. Moi, il dit que quelqu'un qui a monté dans le direct pouvait me préparer sur ça. Moi, il est versé. Par où nous tous, on s'est retrouvés ici, c'est pour demander pardon. Là, le jeune a mal que son petit même, qui compte pas même, il veut l'insulter sur les réseaux. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est pour demander pardon. Donc, ceux qui veulent donner explication, quand Emmanuel Edel va venir, et puis, il va lancer direct pour demander pardon. Ils n'ont qu'à monter et puis ils vont s'expliquer là. Parce qu'on dirait où on est là. On est venu demander pardon. On n'est pas venu pour donner nom à quelqu'un là. Donc, Ali, comme tu dis, tu es revenu. On va voir ce que j'ai dit derrière toi. Bon, Ali, on t'écoute. Hein. En fait, Oura, je parle même pas de toi. Tu vois. Non, moi, en fait, écoute. Le live là, j'étais dans le live, je sais comment ça s'est passé. On a passé presque 2 à 3 heures dans le live où Fernandez a enregistré là pour aller porter plainte. C'est de ça que je suis en train de parler. Écoute maintenant, comme vous dites que vous êtes en train de demander pardon, comme c'est moi qui suis venu mettre l'huile sur le feu, j'enlève, je m'en lave les mains, tu vois. Et c'est pas mon papa, tu vois. Et mais écoute-moi maintenant, Aïe, mais écoutez-moi, on n'a pas ce qui te revient. On ne t'a pas insulté quand tu n'étais pas là. Quand tu as monté, tu étais en train de parler. Mais la partie là-même, je ne parlais même pas de toi, je parlais de Shamsou qui parlait. Mais je vais dire que quand tu t'en as dans le direct, quand tu dis quelque chose, tu t'es senti visé. Tu ne peux pas me viser, mais je suis dans le direct au fait.
Sinon, c'est le colon, colon, tu ne peux pas l'éviter. Derrière mon dos, tu ne peux pas l'éviter. En face de moi, tu ne peux pas l'éviter. Yalla, là, encore. Y'a quoi, vous là, revenez, y'a quoi. Prunel, on t'écoute. Bonjour, ici. Moi, tout ce que je peux dire à Fernandez. Oh, Mao, reviens, reviens, allez, reviens. C'est de laisser. On demande pardon à la place de Eudes. C'est vrai que, genre, Eudes est le plus petit, la manque de respect à Fernandez, mais on demande pardon. Faut pas regarder ça. Ah, mais allez, y'a quoi, y'a pas laissé. Y'a quoi chez toi, la main? Tu es dans un sac. Ok, Prunel, on t'écoute. On demande pardon à Fernandez, il n'a qu'à laisser Emmanuel Eudes, son petit frère. Pourquoi il va regarder ses dits? Il n'a qu'à pas pitié, il n'a qu'à laisser. Ça va plus se répéter. Là, quand il va venir, Eudes, on va lui parler. Ça va parler aussi aux gens aussi sur le Mita. Parce que bien, sur le live aussi, j'ai suivi où quelqu'un est monté d'abord. Fernandez l'a accueilli, vient, mon petit frère, et puis il s'attaquait directement à Eva. Après, les gens ont parlé, Eva s'est expliqué, puis ils ont laissé tomber. Après, il est descendu, après, il est remonté, il a insulté. Nous, on a suivi, on a vu qu'il n'avait pas raison. Mais on demande pardon à Fernandez, il n'a qu'à laisser, c'est son petit frère. On demande pardon, on n'a qu'à laisser tout ce que j'avais à dire. Ok, Ali, on t'écoute maintenant. Oura, Véronique, oui ou non? Oura, je l'ai insulté? Et dit, tu l'as visé ou bien tu l'as pas visé? Je parlais même pas d'elle. Je ne parlais pas d'elle. Autre, ma Djarabi, tu n'étais pas là. C'est... Quand j'ai écouté là, c'est Samsou qui était en train de parler. Mm-hmm. Tu vois, donc je parlais pas d'elle. Mm-hmm. Je dis, je ne parlais même pas d'elle en fait, tu vois. Moi, je parlais de Shamsou qui était en train de parler. Je dis, ah, tu parles de qui comme ça? C'est de lui, je répondais, oura, c'est pas mon ami, genre, tu vois. Donc, je peux pas mal lui parler. Maintenant, je dis, truc là, en ce qui concerne Fernandez, live que Fernandez a pris pour aller porter plainte là. Nous tous, on était dans le live. On a vu comment ça s'est passé, comment l'histoire s'est déroulée et tout, tu vois. On dit la vérité. Certes, on peut demander pardon parce que l'histoire est arrivée à la police, mais on va pas se voiler la face pour ne pas dire la vérité parce qu'il a porté plainte. Je suis désolé. J'ai mon avis quand même à donner. Tu vois, on était tous dans le live. En fait, c'est pas arrivé là-bas. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, on peut même pas dire à quelqu'un tu es vilaine ou bien tu es vilain. Genre, dès que tu dis ça à quelqu'un, la personne, ça va porter plainte. Tu as tué quelqu'un. On n'a qu'à se dire la vérité dans la vie. Arrivé à un certain moment donné, on arrête aussi. On peut se titiller, on peut s'énerver. Tu peux dire quelque chose. Eux-mêmes, il a dit ça là-même. Il a dit ça sous, en fait, toute tension, en fait, tu vois. Sinon, et Fernandez aussi, il a mal parlé à truc là. À Titi, mais sans dire son nom, mais nous tous on sait que il parlait de Titi. Tiens, on n'a qu'à dire la vérité. Certes, il a porté plainte, on demande pardon, Ali, c'est il ça, ils sont en train sa plainte, et puis on passe à autre chose. C'est tout. Ça. Faut pas se créer des problèmes. Pas tu as dit que Fernandez il a parlé de Titi sans dire son nom. Tu as te créer des problèmes cadeaux. Où on est là parlé là, on est en train je vais me créer quel problème? Je vais me créer quel problème? Faut te calmer. Attends, je vais me créer quel problème, là, quel problème. On se met tous ensemble pour demander pardon à Fernandez. Il dit qu'il est en train de, je sais pas, il est en train de régler le problème. Maintenant, moi, je ne me mets pas ensemble. Je dis la vérité d'abord. Je dis la vérité. Comment ça s'est passé? C'est pas pour la vérité en dire. Il y a les innocents qui sont écoute, on n'a qu'à apprendre à se dire la vérité. Je lui dis mes vérités. On peut lui demander pardon, mais on n'a qu'à dire la vérité. Pardon, laissez ça là. On demande pardon, laissez ça là. Capable d'aller au procès pour aller soutenir eux. Toi, tu étais sûr de ça? T'as dit quoi? Si l'histoire partait loin, là, toi, tu étais capable de payer ton billet d'avion pour aller soutenir au commissariat. Tu étais dans le rêve ou pas? Si l'histoire partait loin, toi, tu allais partir soutenir le petit. À un moment donné, c'est pas tout la vérité, on dit. Hein. Il y a les innocents. Écoute. La justice n'est pas aussi naïve que ça. En fait, tout. En fait, on parle avec preuve, on parle avec. La justice n'est pas naïve, en fait, pour mettre quelqu'un en prison parce qu'il a dit, ouais, ta bouche qui est longue ou bien. Tiens, ce sont des futilités des réseaux. Nous tous, on se titille. Si on ne peut plus se titiller sur les réseaux, tu quittes les réseaux, c'est tout. Tiens, il y a des influenceurs ici, même Eva, même qui est dans le lab, on l'insulte ici tous les jours. Mais elle ne va pas aller porter plainte pour ça parce que quelqu'un a dit que ah, tu es vilaine ou bien ta bouche est longue ou bien. Tout le monde n'a pas la même manière de prendre les choses. On n'a qu'à dire la vérité. Je peux dire un mot, s'il vous plaît. Allô, tu veux dire vérité même à qui? C'est ce que je veux savoir. Je vais dire vérité d'abord à tout le monde. Pour dire que à qui il faut dire moi, je prends un exemple, moi comme ça. Aïe, Djarabi, par exemple, elle a lancé son direct. Aïe, qui encore? Par contre, tu veux dire vérité à tout le monde. Tu n'as pas même trouvé, on a très se battre dans le direct. Toi, si tu veux dire vérité, on te dit non qu'à l'heure où on est arrivé, c'est juste pour demander pardon. Tu veux rien savoir, tu es en train de parler seulement. Donc, tu veux dire vérité là, il ne sait pas il y a quoi encore. Maman ou moi, attends, Ali. Oura, c'est parce que Fernandez était dans le live, je voulais lui dire la vérité pour lui dire que plainte qu'il allait porter là, nous tous on était dans le live. Je ne vois pas l'utilité d'aller porter plainte. Tu ne parles pas. Mais c'est déjà fait, on fait comment? Cette pardon va demander
Plein de tu dis qu'il ne faut pas, il va porter là. Il a fait ce qu'il a dit, lui, il n'a pas aimé. À cause de ça, il ne pouvait pas se mettre à être, se discuter, ni faire quoi que ce soit sur les réseaux. À cause de ça, il est parti porter plainte. Oui, Eud a fait sortir de sa bouche que sa bouche est longue. Eud, c'est là, ils sont amis ou bien. Quand il y a vérité aussi, tu dis, la casse, c'est dit, Emmanuel Edessa, c'est petit frère de tout le monde. C'est pas parce que, comme on dit, Fernandez a dit ça, toi, Ali aussi, toi, tu connais tout, tu étais dans le direct. Là. Où ça arrivait là, le petit est dans ses problèmes. Nous, là, si Fernandez n'avait pas porté plainte, il avait porté plainte, il a déjà fait, ils ont déjà pris le petit. Seulement, pardon, on peut demander pour que, là, cette histoire, on met fin à ça. Mais si tu veux rentrer dans les explications, tout et tout, là, ça peut créer le problème qu'on ne s'attend pas à ça. C'est ce que nous, on veut te faire savoir. Papa, papa qui a fréquenté que nous. Omar, ah, je peux dire un truc, s'il te plaît. Le grand Ali, moi, je t'ai écouté, hein, je t'ai écouté. Tu dis, tu viens parler de vérité. Est-ce que c'est une vérité aussi que, comment il s'appelle, Emmanuel Eud ne s'est pas adressé et n'a pas dit que Fernandez Joly est ceci, est cela. Est-ce que ça, ce n'est pas une vérité? Mais il dit, c'est un panel où tout le monde doit donner son avis, non? Oui. Si vous êtes contre le fait que... Non, tout le monde a le droit de donner son avis. Tout le monde a le droit de donner son avis. Il a la loisivité de s'exprimer. Mais il a dit, il a fait sortir une chose. On pose aussi des questions. C'est important aussi de poser des questions parce qu'il a parlé des vérités qui s'est passées sur le panel. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre vérité aussi que Emmanuel Eud a traité, comment il s'appelle, Fernandez Joly? D'un mot qui est comment on va dire ça, qui est passible de plainte. Est-ce que ce n'est pas une réalité aussi? Je pense que c'est une réalité. C'est clair. Maintenant, il a soulevé un autre aspect. Il dit... Le secrétaire de Djarabi, pardon, attends. Ali non, je ne suis pas secrétaire de Djarabi, t'inquiète. Mais attends. Est-ce que Ali est à son profil? Moi, je m'adressais à Ali, hein. Ali parle, laissez-le parler aussi un moment. Non, mais ok, mais donne-nous Ali. Ou bien toi, tu es conseiller de Ali ou bien? Ok. Mais est-ce que tu es conseiller de Ali? Ali, faut parler. Ouais, ou bien tu t'appelles Ali maintenant? Ali, on parle d'Ali. Tu t'es mis pourquoi? On parle d'Ali, tu es conseiller, tu es son conseiller? Ou bien Ali, c'est toi qui l'as délégué pour parler en ton nom? Joe, Ali a arrêté de parler. Quand il a arrêté de parler, il a commencé à parler. Mais je ne comprends pas. Mais attends. Est-ce toi-même qui parles là? Tu es délégué. Ali t'a délégué. Pardonnez. Ou bien tu t'appelles Ali maintenant? Alex. Ali, moi, je ne comprends pas ça là. Ali, moi, je ne t'ai pas là, toi. Il y a les bouches pointues qui mettent les bouches dedans. Est-ce que moi, lui ai parlé? Moi, lui ai pas parlé. Il était parlé à toi, mais c'est adressé à toi. Si tu veux pas que je te pose des questions, si Ali, tu me dis, et puis il ferme mon micro. C'était l'avocat forcé, ça. Vous êtes en train de parler. C'est pour ça, je n'ai même pas encore donné mon avis sur l'histoire. Depuis que je suis monté, Yarabi m'a fait descendre, m'a jeté en bas. Tiens, Alex, non, ça clashait. Elle n'a pas fait pareil, ça clashait. Moi-même, elle m'a fait descendre. Quand on faisait bruit là, ça faisait bruit dedans. Donc, il nous a fait descendre pour que le live soit sécurisé. Mais voici, elle me va mieux dans l'aile des gens. Ali, prends les ta bouche dans les histoires. C'est tout. Ah. Ok. Ali ne va pas lever sa bouche dedans. Veux dire, Ali, qu'Ali n'a pas insulté quelqu'un. Ali a dit simplement que Fernandez n'avait pas porté plainte. C'est ça, il veut dire, Ali, que chacun de nous a sa manière de voir les trucs. Sinon, ce qu'Ali a dit là, moi, j'ai bien compris. Il dit Fernandez n'avait pas porté plainte parce que ce que Eud a dit là, ce n'est pas un jeu en tant que truc. Donc, nous aussi, on est les grands soeurs d'Ali aussi. On veut lui dire que. Sur terre où on est arrivé sur les réseaux là, chacun de nous maintenant sa manière de dire les trucs. Moi-même, je suis assise, je peux jouer avec toi. Si elle dit petit truc qui ne t'arrange pas, tu ne te vois pas en train de te clasher avec moi, tu as le plein droit d'aller prendre convocation. Pourquoi on s'exprime? Pourquoi j'ai dit ça? Voilà. Donc, moi, je vois que c'est ce que Fernandez a dit. C'est pas pareil. Fernandez aussi est papa de quelqu'un dans le direct. Hein. Mais quand il y a la vérité, on n'a qu'à se dire. C'est ce que lui, il a voulu dire, il a voulu faire pour ne pas que cette histoire va loin. Donc, on a vu que cette histoire est devenue autre chose. Nous tous, on se met ensemble. On se fait un pour lui demander pardon. Mais toi, Ali, tu dis que tu étais dans le direct, que ce que Eud a dit, il n'a rien dit de mal. On te comprend bien. Mais où ça arrivait là? Il n'a rien dit de mal, mais c'est lui qui est en prison. Donc, on doit demander pardon à qui? Fernandez, pour que cette histoire, on met fin à ça. Ou bien Ali? On n'a qu'à demander pardon. On n'a qu'à demander pardon, mon petit frère. On n'a qu'à demander pardon.
Voilà, Damien, tu as parlé là. Pardon. Tout ce que tu étais après, dis-moi, j'ai compris. Mais viens te dire que où tu en es arrivé là, il est là-bas. Fernandez. Si on veut s'énerver, s'énerver là. On Fernandez. Va faire sortir les trucs, c'est pas bon aussi. Fernandez, ce que vous voulez entendre, je vais dire ça. Fernandez, si pardon. Tu écoutes voilà. Cela, je te demande pardon. Moi, je me mets à genoux. C'est pas fini. Je te demande pardon. J'attrape tes pieds, tes deux pieds. C'est pas fini. Je te demande pardon. J'attrape, mais je mets mes deux mains sur mon dos. Je te demande pardon. Yes. Je dis frère, faut le prendre comme ça. En fait, ça arrive. Je te demande pardon, Yaki, pardon, tonton. Yaki, bah, je lui vois. Ali, même en train de demander pardon. Et puis, il a les larmes aux yeux. Franchement, pardon. Fernandez, pardon. Faut descendre. Pardon, 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 s'il te plaît. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, vous pouvez. Hein. Mais Eva doit attendre. C'est Eva qui doit parler. Pas elle, là, elle parle pas trop. Il n'y a pas de... Il y a trop de... Eva, on t'écoute. Hé, je ne sais pas ce qu'il a dit, oh. Oui, il a demandé, où est-ce que, parce qu'il ne parle pas là, je parle à Fernandez, j'ai un PV, c'est le pardon, il dit, il, a tout, il lui demande même d'entrer de faire quoi, il n'a qu'à faire, il va partir, il faut même dans Paris, comme si. Il n'a qu'à partir. Voilà. Bon. Donc, ça, il m'a dit qu'il a déjà appelé là-bas, que les gars lui ont donné un rendez-vous, à une, que c'est l'heure là qu'il attend, que c'est tout. Sinon, lui, il est déjà prêt, tout et tout. C'est ce qu'il m'a dit. Merci. Garabi qui a lancé direct, il faut bonjour parler. Bonjour, madame bonjour. Myriam. J'ai tellement apprécié ce que Oura a dit que je n'ai pas de mots encore à rajouter. Merci. Où tu es arrivé là? Il n'y a plus affaire de Fernandez n'avait pas raison. Franchement dit. Fernandez même nous a rassuré qu'il allait retirer et que tout allait se régler. Donc on attend, c'est fini. Il a c'est déjà fini. Le pardon. Ça ne sert à rien en fait de venir mettre de l'huile sur le feu. Ceux qui viennent être agressifs là, on n'est pas ça, c'est vrai, mais on est des êtres humains. On est pareil. Voilà. Personne ne va aimer voir eux de là-bas. C'est vrai, on est sur panel ici, mais personne ne va aimer voir eux-mêmes là-bas. Donc, on n'a qu'à laisser le petit, va sortir, et puis c'est fini. Il va savoir gérer ses trucs, et puis c'est fini. Mais il va sortir maintenant, et puis il voilà. Va rester direct pour demander lui-même son pardon. C'est là maintenant, là. Nous autres, on peut l'insulter, dire quoi que ce soit. Mais non, alors, où ça en est arrivé là, ce n'est pas le moment de s'énerver dans direct. Voilà. On va se clasher. Non, non, non. On ne l'insulte plus, là. Oura, où il est quitté, là. Il saura que là-bas, là, c'est déjà tout. C'est pas bon. Mais on n'en donne pas conseil. Petit là, là-bas, même tu quittes là-bas, là. Tu vas venir, tu vas être tranquille. Il a appelé. Faut pas encore là-bas. Faut pas venir mettre de l'huile sur le feu. Moi, je dis merci à tout le monde. Hein, parce que moi, j'aurais été Eva, j'allais porter plainte. Mais elle est restée humble. Tout le monde a sa manière de prendre les choses, effectivement. T'as vu, non? Elle peut prendre en mal comme elle peut laisser. Donc, si Luis Fernandez n'a pas digéré, il est dans son plein droit d'aller porter plainte. Moi, mais où je suis, là, je n'ai pas force. On dit non que ce n'est pas il a bras merci. Long. Non, ça n'a rien à voir. Fernandez même a ajouté ma carte. On s'en a porté plainte. Fernandez même a ajouté ma carte. Il veut dire à Emmanuel Edès que c'est son petit frère. Il y a des trucs qu'on ne sait pas. Mais quand il ne peut pas se mettre à même niveau à Emmanuel Edès pour faire clash, il a préféré faire ça pour que ça s'explique. Mais alors, là, les corps habillés, là, quand tu envoies affaire là-bas, eux-mêmes, là, ils cherchent pour eux dedans. Voilà. Eux-mêmes, ils gardent affaire là. Donc, ce qu'on peut faire, on va demander pardon à Fernandez. Fernandez, maintenant, on va aller demander pardon. C'est qu'elle, on va faire le petit, va sortir. C'est tout. C'est pas le moment de venir s'importer ni dire les gros, gros français. Nous tous, on a suivi live là. Quand on s'ennuie net et puis on lance live là, nous tous, on est branchés. On a entendu, nous tous. C'est vrai que c'est pas violent. Mais si Fernandez a pris un mal, parce que comme on disait dans le live tout à l'heure, c'est les commentaires qui font que tu t'énerves le plus. Tellement révisé. Voilà. Eva, le jour là, il a parlé sur Eva, mais les gens étaient en train de défendre Eva. Donc, elle n'a pas eu l'utilité même de se fâcher. Elle n'est pas fâchée. Elle a tapé l'œil. Mais ça aurait été moi comme ça. Il aurait dit que, ah, comme je ne peux pas le frapper, je peux porter plainte. Et puis c'est fini. En tout cas, merci beaucoup à Oura pour son intervention. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, merci. C'est qui veut parler? C'est Eva. Marie, tu peux parler. Hein? Marie Love. Moi, je n'entends pas. De... Allô? Oui, on t'entend maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour le tata, bonjour le tonton. Bonjour. Mais c'est qui moi je voulais dire? C'est moi je voulais dire là? C'est qui tata Véronique Oura a dit? Il doit se dépêcher aussi. Puisque demain est fait. Et puis c'est déjà nous aussi. En tout cas, il faut lui demander pardon. Pardon. Et Emmanuel Tonton, c'est ce que moi j'aime beaucoup. Mais ça bouge pas trop, mais je l'aime. Alors, le grand frère aussi, je l'aime. Mais c'est un peu dit là, c'est pas bon. C'est de nous aussi. Pardon. Ok, merci. Ousmi, si tu as dit quelque chose.
Oui, bonjour tout le monde. Hein? Bonjour, aussi. Oui, bonjour Eva. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et comme j'aimerais dire, l'agent, quelqu'un a déjà dit en fait. Le problème, c'est que là, c'est plus à l'autre gens de venir peut-être faire des reproches à Fernandez, mais je viens de gronder en fait. Le problème là, c'est pas nous qui sommes là-bas, c'est eux qui sont là-bas. Donc, ce qu'on peut faire pour lui, là, c'est demander pardon. Parce que sinon, on veut mettre genre le lit sur le feu là. Nous là, on n'est pas là-bas, c'est eux qui sont là-bas en fait. Et c'est lui qui subit tout. Même si nous, on parle comment là. C'est lui qui est là-bas, c'est lui qui vit. Ils ont des problèmes là-bas. Parce que moi, j'ai parlé avec Fernandez en éternel en fait. Et Fernandez a genre retiré tout et tout. Mais en fait, actuellement là, ce que lui le condamne là, c'est son impolitesse et son manque de respect qu'il a envers les autorités là. Peut-être que Jean va un peu le fatiguer. En gros, en vrai de vrai, là, Fernandez, lui, Jean l'a déjà fait sa part, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me dis que Jean, si on vient encore, Jean peut-être en rajouter, nous soit parlé, et peut-être Jean de faire des reproches à Fernandez, ça ne va rien arranger. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on ne peut faire que parler seulement. Le ah, c'est pas ce que j'ai dit. Il vit là-bas, en fait. C'est vrai. Il est là-bas, on ne le gère pas, on ne le capte même pas, en fait. Est-ce que vous comprenez même, en fait? Oui, je comprends, oui. Le problème là, c'est de apaiser tout. Je ne vous comprends pas. Parce que Fernandez, lui, il a, jusqu'à présent, il parle. Il leur donne pardon, tout et tout. Lui, il parle. Il leur parle. Même matin, ils l'ont appelé et il a parlé avec eux, tout et tout. Genre, il laisse tomber. Mais le problème là, c'est plus à son problème. Lui là, il a fait tout ce qu'il devait faire. Le problème, c'est que lui, c'est que c'est l'impôt. Le monde de respect que eux d'ailleurs envers genre, les officiers là. C'est ce qui fait qu'il est encore là-bas. Et Fernandez dit que lui, il ne va jamais le laisser là-bas, en fait. C'est le problème qu'elle a, en fait. C'est lui-même sa bouche, est-ce une hypothèse qu'il a envie à tout le monde le produit jusqu'à là-bas? Ou bien je sais qu'il le maintient là-bas, en fait. Sinon, c'est que moi, je comprends pas. Quand on vient vous chercher là, ne soyez pas impoli envers les autorités aussi. Sinon, si c'est Fernandez, là, il a fait sa part depuis longtemps. Si il a fait depuis longtemps, lui, Jean déjà, il était derrière d'ailleurs. Mais actuellement, là, tout ce qui le retient, c'est son manque de respect envers les officiers là, qui le retient. C'est tout le problème qu'il a. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que aujourd'hui, c'est pas un jeudi ou bien c'est pas un mercredi ou vendredi. C'est dimanche. On défait les gens, tu vois. Mm-hmm. C'est jusqu'à vendredi, on défait. Donc, avant vendredi, on peut faire quelque chose. Il y a mardi aussi. Mm-hmm. Mardi, on défait. Lundi, c'est fini. Que Dieu nous aide. Amen. Ceux qui montent pour dire que. On fait le truc là. C'est nous. Genre, ceux qui montent pour dire que. Aide a raison, Fernandez n'a pas fait ça. Vous êtes les sorciers. Vous êtes les sorciers. Les vrais sorciers là, c'est vous en fait. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un est déjà dans un problème. Vous avez donné beaucoup d'explications. C'est rentré. C'est celui qui a raison. Lui n'a pas raison. Vous venez juste pour demander pardon. Pardon. C'est qui Ousmane l'a dit même là. C'est que Fernandez m'a déjà retiré sa plainte. Mais l'histoire, c'est plus autour de, ça ne tourne plus autour de Fernandez en fait. Est-ce que vous voyez? Effectivement, non, en fait. Maintenant que pardon, on doit demander, on ne doit pas venir. Sinon, Fernandez a demandé aux gars genre de le libérer. Et ils ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas parce qu'il a manqué du genre du respect aux officiers, en fait. Le problème, c'est ça. Sinon, le problème, là, c'est au niveau de Fernandez. Et Fernandez a dit que lui franchement, il ne peut pas laisser le petit là-bas parce que s'il allait là-bas, là, c'est genre de sa faute. Donc, lui, là, il ne peut pas le laisser là-bas, en fait. Est-ce que vous comprenez, en fait? Donc, le problème, là, c'est plus au niveau du genre de Fernandez. Parce que moi, aujourd'hui, on a parlé, en fait. Je n'ai plus à ton niveau. C'est son manque de respect qu'il a eu genre, envers les officiers aujourd'hui. Là. Donc, quand Fernandez, Jean vous dit que lui, il a retiré, là. Effectivement, lui, là, il n'a plus de problème. En fait. C'est juste le manque de respect, genre du petit, là, qui le maintient jusqu'à Jean aujourd'hui, en fait. C'est ça, en fait. À cause de l'homme là, il faut savoir ce que tu fais dans la vie, c'est tout. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas arriver, c'est tout. C'est tout la vie qu'elle a là. Imagine si Eva aussi avait porté plainte, tout le monde a porté plainte, ça allait devenir quoi dans tout ça là? Mais Dieu merci, Eva elle est mature, genre même si on fait ça comment? On va prier Dieu, Dieu aussi va faire Inch'Allah, avant le mardi va arriver, il va sortir. C'est tout ce qu'on demande. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est-à-dire que sur les réseaux, mais soit dans la vraie vie, chacun a sa manière de gérer genre, les trucs en fait. Chacun a sa manière de gérer genre, les trucs en fait. Tu peux insister pour la relation en fait. Et Fernandez, en gros, il avait tellement d'estime pour gens pour eux. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, lui là, ça a été un choc, mais c'est quelqu'un qui ne peut jamais mettre disons, eux derrière les barreaux. Ça, c'est clair en fait. Ils ont peut-être mieux monté qu'ils ont deux, trois trucs et puis c'est. Donc, vous comprenez, non? Donc là, non, vous ne voulez pas à Fernandez. Et si vous dites que Fernandez a parlé de X là, il s'est fâché là. Il n'y a pas de plainte contre lui.
Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle a fait elle a fait de gérer dans ses bails. Et si lui, il l'a fait, c'est parce que lui, il n'a pas digéré. Donc là, chacun a sa manière de gérer ses bails. C'est tout, en fait. Donc, on en veut à personne. À tout moment, le problème, c'est de demander pardon. Et en fait, Jean, le pardon, c'est plus en faveur de Jean de Fernando. Parce que lui, il a déjà fait son rôle de retirer, mais Jean de laisser. Mais si, jusqu'à aujourd'hui, eux, encore là-bas, c'est juste Jean pour son manque de respect qu'il a eu envers les officiers. Et Fernandez continue toujours Jean de lui parler et de demander pardon pour qu'on puisse le libérer, c'est tout. Franchement. Moi, je pense que si ça dépend maintenant des autorités, ses amis, ses parents, ses proches n'ont qu'à aller là-bas pour essayer de... Voilà. De trucs, en fait. Pour demander pardon, s'ils connaissent des gens aussi, ils peuvent passer par des gens, tout et tout, en fait. Voilà, c'est tout. Non, Eva, je ne sais pas, hein, mais ça ne peut pas dépendre maintenant des autorités, puisqu'il est encore au commissariat, non? Oui, c'est ça là-bas. Peut dépendre des autorités. Ici, là, ça peut dépendre. Des autorités peuvent faire traîner l'histoire. Même si Fernanda peut dire que Jean, peut-être, il retire ma plainte. Ils vont dire d'accord, mais il faut attendre. Jean, nous, on n'est pas là. On n'a pas le temps d'abord pour ça. Mais tu vois, ici, là, c'est comme ça. Oh. Au commissariat, là? Moi, je pensais que c'est. Oui, ah, ça. Eva. Tu penses qu'ils n'ont pas d'autres cas à gérer? Ils peuvent dire qu'ils ont d'autres cas à gérer d'abord? Il dit, Eva. Hein? Tu parles avec Jean Fernandez, non? Oui, oui. Si tu veux là, il faut descendre 5 minutes, va l'écrire, vous parlez 2 minutes et tu remontes. Tu vas voir que Jean ce que je dis là. C'est la vérité. Je sais pourquoi je dis ça en fait. Si tu veux descendre 2 minutes, va parler avec Fernandez. J'ai pas la lumière. Ah, tu veux pas la lumière, j'ai ça. Voilà. Donc du coup là, moi je sais, Jean, pourquoi Jean je dis ça. Actuellement, c'est plus Jean Fernandez. Lui-même là, il essaie Jean de négocier auprès de, en fait, pour que Jean l'enfant, on puisse Jean le libérer. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi lui-même il dit que Jean, les autorités. Fernandez me dit que Jean, il va essayer de voir Jean s'il peut partir là-bas, Jean pour essayer encore de demander pardon. Effectivement, parce que là, c'est plus à son niveau. Vous ne comprenez pas en fait. On parle Jean, c'est-à-dire que Jean tout est allé sur les réseaux. C'est ça le gros problème. Je suis resté à zéro là. Donc franchement, je ne sais pas. Peut-être que Jean, il a des grandes soeurs, des parents, essayez Jean de vous Jean mettre ensemble et mettons Jean essayez d'aller voir Jean ces derniers pour voir comment on peut Jean redit la fait plus voilà c'est tout. Sinon pour l'instant c'est plus à son niveau c'est plus au niveau tu m'as payé 300 000 avant d'être sorti si on m'a payé 300 000 là c'est pas un problème je pense que la somme soit Jean il sait pas mais Jean 300 000 là c'est vraiment Jean pas une grosse somme en fait voilà donc je me dis que peut-être si c'est 300 000 là il peut sortir sans problème. On espère même que même là, que même Jean, qui l'ont dit même depuis 300, on espère même en fait. Ah. À cause d'un jeu. Donc, non mais c'est Abassoudi. Vous, on t'écoute. Violetta, va quoi là? Violetta. Violetta, il n'y a pas Violetta ici? Non, Abby. Oui. Ouais. J'explique une anecdote, moi passé. Peut-être que Jean a fait de peut-être Jean droit des réseaux, mais soit il sait pas quand je parle des gens, je les réseaux là. Mais peut-être si, que, là. Que les gens ne croyaient pas en fait. Le mois passé, moi depuis le 10 février, il y a quelqu'un qui était Jean sur mon Snapchat en fait. C'est-à-dire que quand je connais mon Snapchat, la personne Jean se connaît, chez moi ici ça saute. Est-ce que tu comprends? Donc, moi j'ai jamais compris en fait Jean. Jean, pour moi, Snap avait un problème, tu comprends? Jusqu'à le 10 avril, où j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui était Jean, qui se connaissait sur mon Snapchat, tu comprends? Oui. Et sur toutes les preuves, en fait, je me suis rendu à la PLCC. Je suis allé Jean expliquer le problème et j'ai montré Jean toutes les preuves, en fait. Et en fait, ils ont vu dans mon téléphone qu'effectivement, il y a quelqu'un qui prenait mon Snapchat depuis le 10 février jusqu'au 10 avril. Darabia, tu comprends? Oui, je comprends. Et, non, oui. Voilà. Et quand j'ai montré Jean les preuves, ils ont suivi la personne. Tu comprends? Ils ont fait un guet-apens à la personne. Comme Jean, que Fernandez a dit là. Ils m'ont appelé pour me dire que de croiser Jean d'appeler la personne pour que la personne puisse venir, pour qu'on puisse croiser la personne. Et j'ai appelé la personne est venue. Ils ont maintenant, quand lui, ils l'ont attrapé là, il est allé montrer la personne qui avait mon Snapchat. Et ça, tu veux, la personne avait tout supprimé, Jean, de son téléphone et ordinateur. À la PLC, ça, eux, ils jouent pas. Et quand ils ont pris, Jean, les appareils de la personne, là, Oui, allô, qui me parle? On t'écoute, oui, il a dit... Voilà, Darabi, tu vois, ils ont connecté, Jean, tous les appareils de la personne, son téléphone et son ordinateur.
effectivement, malgré la visite, tout supprimé. Ils ont vu toutes les traces que, effectivement, depuis le 2 février jusqu'au. Pardon, depuis le 10 avril jusqu'au 2 février. Pardon, depuis le 10 février jusqu'au 2 avril, la personne était contactée juste sur mon Snap, en fait. Et ils ont vu toutes les preuves que la personne avait accès à mon Snap. Ils m'ont rappelé à l'appel, ils m'ont dit, OK, vu que Jean, j'ai porté une plainte là, qu'est-ce que je décide? C'est-à-dire qu'à l'instant là, si je disais Jean que oui, je vais enfermer la personne, ils allaient enfermer la personne, vu qu'il y avait toutes les preuves. Eh, tu comprends? Et maintenant, ils ont fait sortir Jean dans leur ordinateur, les droits. C'est-à-dire que quand tu insistes, Jean, tous les droits d'une personne, là, tout est sorti Jean sur leur ordinateur. Sur l'ordinateur. Voilà. Dans la prison là, même ton pire ennemi, tu peux jamais le mettre en prison. Tu comprends? Uh-huh. Et moi, j'ai décidé de retirer ma plainte à une condition. Il faut que cette personne signe un document. C'est-à-dire que si une vidéo, genre des propos, des trucs me concernant ma vie privée sur Snapchat. Voici les réseaux. Voici les réseaux, c'est la personne en fait. Ah, c'est ça, là. Tu comprends? Mm-hmm. Et la personne, genre, a signé. Parce que franchement, tu sais que Snap là, mine de rien. Snap là, c'est-à-dire que notre propre vie privée jusqu'à un point, imagine. Tu comprends? Ce qu'on partage sur Snap, on poste sur Snap, c'est-à-dire qu'on met dans nos trucs là, c'est très délicat en fait. Donc la personne a signé genre le papier, c'est-à-dire que si demain un truc compromettant, genre sort contre moi là, automatiquement c'est la personne qu'on va attraper. Ils sont sur le téléphone qu'on va pirater le compte Snap. Ils savaient, c'est-à-dire que ton téléphone, ils prennent ton téléphone, ils connectent avec leur ordinateur là. Depuis 2001, depuis 1900, combien là, tout ce que tu as fait, tout sort. Et pour les gens, sache que là, les trucs du genre des réseaux là, effectivement là, c'est vraiment la vérité en fait. Ah. Parce qu'ils disent qu'il y a trop de laisser aller en Côte d'Ivoire. Genre, ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a les réseaux. On est trop à l'aise sur les réseaux. On insulte, on se dénie, on poste la gens, peut-être souvent l'unité des gens. C'est trop. C'est trop en fait. Donc, du coup, là, si genre, les réseaux, tu me dis imbécile avec mon nom, mon blase, que j'ai l'enregistrement, je vais pas te cliquer contre toi. On te prend automatiquement. Ça n'a rien à voir avec peut-être que j'ai une relation. Parce qu'il y a la loi de ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec relation. Donc, du coup, là, ça, voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, non? D'accord. Il y a quelqu'un en chérie? Bon, il y a réglé pour moi. Il y a Emerald. Nous, on a fait le commissariat d'Abidjan, là. On connaît, voilà pourquoi ce sont les choses qui nous étonnent pas. Mais quand ça, monter, ils ne sont pas par là, même. Les gens pensent que les gens, c'est parce que peut-être qu'on veut quelqu'un. Dès que tu as parlé, on dit, oh, toi là même, comme ci, comme ça. Son commissariat, son police économique, son PLCCO, tous les polices que tu peux imaginer là, on est passé par là-bas. Il y a les lois même que quand on te monte là. tu tombes à la renverse. C'est-à-dire que moi, ils vont produire. Il dit que ça blanchit, qu'une cliente n'a pas blanchi là. Si elle va porter plainte là, moi, mon femme, pourquoi je n'ai pas fait blanchir la fille là? Je vais expliquer ça. Actuellement là, les lois là, on dit que tu as secret de ta bête, tu es parti faire Matoya, on t'en ferme. C'est-à-dire que petit truc net là, on t'en ferme. C'est-à-dire que tu publies l'image de quelqu'un sans rien dire, genre tu mets seulement, et puis tu dis qui la connaît. On t'en ferme. Il y a toutes sortes de trucs. C'est même pas une histoire, mais de dire que, genre, la personne a dit petit truc, actuellement, tant d'ados là. Tant d'ados là. Où ça arrivait là? En tout cas, pourquoi les gens vont jouer avec en fait? C'est réel. Mais attends, beauté tactile, explique-nous une expérience que tu as vécue en direct qui t'a choqué. Il y a vécu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Un truc de police là, on est interdit de parler de ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécu. L'autre ne veut entendre regarder Harry Potter. Ça a quoi de ça même là? Après, je vois que les gens parlent de moi sur les réseaux. Les gens me... Même un commentaire que je vois qui est mal déplacé à mon égard, je peux faire capture. Je vois la PLC, c'est mon tracer la personne. Et puis il y a les moyens de ça. Je peux faire. Parce que tu t'en vas là. Ton affaire va vite là. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires en fait. Ton affaire va vite là. Tu payes et puis ils vont rapidement. C'est ça. Peut-être qu'ils m'insultent. Peut-être gens en commentaire là. Je peux prendre genre son nom seulement de TikTok seulement et on voit ça seulement la PLCC. Ils vont me rappeler peut-être dans une semaine pour dire qu'ils ont attrapé la personne des Vénis. C'est fini. Seulement et on voit ça seulement la PLCC. Attends, comment ils font? Non, c'est TikTok, commentaire simplement. Mais c'est les hackers, non, mais c'est pas ça. Les hackers. C'est les logiciels qui sont bien. C'est les logiciels. Faut nous expliquer pour voir. On doit parler de ça. En fait, ce sont des trucs informatiques. Ce sont les logiciels qui permettent de tracer.
Et vous savez que le compte TikTok, quand on le crée, même que ce soit un faux profil ou bien un nouveau profil, c'est toujours relié à soit une adresse IP ou bien à un numéro de à un compte Google, à un numéro de téléphone. En tout cas, une chose est sûre, un compte TikTok est toujours relié à quelque chose. Et c'est ce qu'on prend pour nous tracer la plupart du temps, avec des logiciels bien définis.